Les amis, vous le voyez sur ces images, il neige sur cette enceinte, c'est pas l'idéal pour le foot, mais espérons quand même un beau spectacle. Ici Benjamin Da Silva, accompagné de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar Da Fonseca, pour vous immerger dans ce match. Dans quelques secondes, le coup d'envoi de ce match de championnat, la Belgique contre l'Angleterre. Les minutes juste avant le match, c'est toujours une excitation particulière, une énergie, une expectative et même un peu de trac. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Allez, la compo pour la Belgique. Composition assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, c'est... Je vous coupe, mais regardez. Oh, la super. Et l'arbitre siffle la faute, coup franc dangereux à venir. Ce coup franc bien frappé et c'est au fond des filets. Comment il a fait ce ballon pour entrer alors contre les poteaux? On était bien placé, personne ne le sait. Tout ce qu'on voit, c'est qu'au moment de frapper, quelque chose s'est passé que ça fait but. C'est très bien joué ça. Donc au tableau d'affichage, Van Avermaet. Stanway. Toon. Et voilà, un ballon bien intercepté. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Ah, il y a la place pour une frappe. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Ah, le ballon est dégagé. Greenwood. Bon ballon là, donné dans l'espace. Allez, c'est sifflé hors jeu. Bon appel, mais la passe s'est faite un petit peu attendre. Et oui, l'art de l'ouverture, c'est de l'horlogerie. Il faut être pile à l'heure. Walsh. Et maintenant Jess Carter. Et la passe en profondeur, en position idéale. Ah oui, quelle intervention. Et le ballon qui est mis hors de danger. Et oui, si tu arrives à rentrer dans la tête de ton adversaire, c'est gagné. Ça va vers le point de pénalty. C'est dégagé, aucun problème. Ah, attention, le ballon leur échappe. Bronze. Oui, bien joué, le bon mouvement là. Ah, du soutien là pour attaquer. Ballon pour Stanway. Oh, il y a encore le feu. Sans prendre de risque, la défense, le ballon est renvoyé. Le ballon circule en attaque. Attention, la frappe. Et la belle parade là. Le corner. Et oui, c'est bien défendu sur cette tête.
perte de possession là. Kelly. Ah, la frappe aux l'égalisation peut-être. Oh oui, la parade. Un corner qui est bien ajusté. Et à la tombée du corner, cette tête frôle la barre transversale. Oh non, quelle belle occasion de revenir dans le match. On se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. Bethany England. Ballon pour England. Toon. Stanway. Oh, il y a une bonne occasion là. Ah, le plongeon pour intercepter cette balle. Bond. Ah, l'occasion de faire parler sa frappe. C'est un ballon de contre à jouer. Voulard. Eh oui, c'est une récupération. Et c'est un ballon à nouveau perdu. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. C'est un ballon récupéré sans aucun problème. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Stanway. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Oui, joli réflexe. Vers le point de pénalty. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Ah, le ballon change de propriétaire. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ballon pour Stanway. C'est dégagé en corner. Voilà, changement donc. Et le bon centre en retrait. Et attention à cette frappe. Allez contrer cette frappe. Attention à cette passe. Une chance d'égaliser peut-être. Et un arrêt qui fait du bien. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. C'est bien parti pour ce corner. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé.
Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Toun. Bien parti dans le dos. Ah, bien sûr, il y a faute, c'est mal défendu. Et un changement donc. Ah non, dommage, pas très bien donné ce ballon en profondeur. Ah dommage, ballon perdu. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. England. Teddy. Goal. L'assaut. C'est magnifique, cette reprise de volée. Et ça fait but. Le ballon qui revient, et sans réfléchir, tu te mets un peu de côté et là tu déclenches la foudre. Qu'est-ce que c'est beau! Bang! Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Bismans. Et oui, c'est un coup franc après cette faute. Et le changement va donc avoir lieu. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Oui, bien fait ça. Oui, c'est bien joué, le danger est éloigné. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ouais, c'est bien fait, elle a pris l'espace. Oui, bien placé là. Et oui, c'est au fond, la démonstration continue. Nouveau but et ça fait plus 3 au tableau d'affichage. Passe, remise dans la course. L'un d'eux, c'est magnifique, on s'est effectué dans le tempo parfait. Et c'est imparable pour la défense. Mais on ne peut pas toujours finir avec la dentelle. Parfois, tu as le droit de finir avec le tambour, les trompettes et un zapatasso. Et avec ce but, le score est maintenant de 3 buts à 0. Excellente intervention. Toun. Walsh. Stanway. Il y a du monde en soutien. Ballon pour Walsh. Attention, elle perd le ballon. Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. Attention, avec ce ballon dans les 18 mètres, la gardienne s'impose dans les airs et dégage finalement du point. La puissance y était, mais pas la précision. Une bonne occasion, et ça passe assez loin.
5 minutes encore à jouer dans ce match. Un ballon récupéré. Et bien fait, quelle ouverture! Excellent timing à la réception. Le corps en opposition, c'est pas fini! Bien joué, beau geste défensif pour envoyer le ballon en corner. Voilà, ça c'est un bon centre. Ouais, non, là c'est raté sur ce centre. C'est la fin, ça y est, du temps réglementaire avec une vraie désillusion à domicile. Oui, une défaite assez surprenante compte tenu de la qualité de cette équipe. Espérons que ça ne soit qu'un accident. Ce coup franc bien frappé et c'est au fond des filets. Et la passe en profondeur. Ah oui, quelle intervention! Et le ballon qui est mis hors de danger. Et oui, si tu arrives à rentrer dans la tête de ton adversaire, c'est gagné. Attention, la frappe! Et la belle parade là!